monde, ici Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment je constitue mes épaves. Il y a plusieurs. Oui, il y a certainement plusieurs façons de faire, et donc, du coup, je vais vous faire voir ma façon de faire à moi. Donc, sans plus tarder, commençons! Donc là, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. J'ai repris mon classeur, mon planeur 2024. Cette année, comme je vous disais, tout est dedans, y compris ma façon de faire pour mes épingles, y compris aussi pour faire mes enveloppes. Voilà. Donc là, je vais vous zoomer et vous allez voir comment je fais. Oula, peut-être un petit peu trop. Voilà. Donc là, pour les épargnes. Voilà. Je vais vous mettre en vrac les idées. En premier, c'est ce que je fais, les idées. Là, la santé. Je vais faire une enveloppe santé comme l'année dernière et non pas une enveloppe santé dans mes enveloppes. Je mets directement dans mes épargnes. Les animaux. Je compte avoir cette année des poules. Si j'y ai droit dans mon lotissement, il faudra que je me renseigne. Donc, je verrai. Donc, je mets quand même animaux. Je mets anniversaire. Cette année, j'ai plus d'anniversaires que les autres années. Je dois avoir à peu près. Non, j'ai plus du double. Voilà. Noël, automatiquement, sera pour le même nombre de personnes, donc ça va gonfler aussi. Maintenant que j'ai une maison, eh bien j'ai un jardin à entretenir, pardon. Autant le potager que du jardin d'ornement. Donc c'est pareil, il faut que je budgétise ce genre de choses-là. Maintenant, j'ai aussi à l'intérieur de ma maison. Donc autant des petits travaux que de la décoration, ce genre de choses-là. Donc, j'ai besoin aussi de mettre de l'argent dans une enveloppe pour la maison. Quoi qu'il en soit, je continue mon enveloppe voiture, puisque une voiture demande toujours de l'entretien. Je fais une enveloppe week-end, même si je ne sais pas si je vais pouvoir partir en week-end en deuxième semestre. Donc, on verra bien à ce moment-là. J'ai aussi fait, comme les autres années, un colis nourriture. Là, le colis nourriture comprend plus de choses. Avant, c'était juste pour un demi-porc que je faisais rentrer tous les ans. Mais là, ça va être aussi la volaille, ça va être aussi les fruits de mer. Voilà, tout ça. Tout comme les animaux, si j'aurais eu des chats ou un chat, c'est englobé dedans. Après, mon stock alimentaire, comme les autres années, là, il va falloir que je réfléchisse sérieusement puisque je pense que je vais le construire différemment, mon stock alimentaire. Je partais, comme je vous disais, sur 6 mois de stock. Je m'aperçois que pour certaines choses, j'ai trop stocké. Pour certaines choses, comme j'étais en appartement, je n'avais pas le choix d'acheter des boîtes de conserve, tout simplement. Là, ce sera un potager, mais le potager, je ne sais pas si je vais pouvoir le commencer cette année. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir. J'ai mon enveloppe promo que je continue cette année. Mon enveloppe événement. Alors, cette enveloppe-là, événement, je vais la grossir un petit peu puisque je donne un petit pécule à chaque 20 sur 20 pour motiver mes enfants. Avant, c'était un petit resto, mais ils préfèrent de temps en temps avoir de l'argent. Donc, je vais leur mettre ça. Ils sont d'examen. J'en ai toujours un qui est d'examen tous les ans. Donc, autant que je budgétise, pardon, ce genre de choses, ça me permet de pas
de pas être prise de cours au mois de mai, juin. Voilà, je vais grandir un petit peu ce genre de choses-là. Après, les soldes, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des soldes deux fois l'année. Donc, les soldes, je fais une enveloppe comme d'habitude. Après, les vacances, je fais une enveloppe vacances, même si cette année, je ne pense vraiment pas partir en vacances. Alors, le sport. Le sport, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai été en arrêt l'année dernière et de fin 2022 au premier trimestre 2023 à cause du sport, puisque je me suis blessée. Mais je vais pouvoir faire d'autres sports qui sont la marche et la natation. Donc, il faut quand même renouveler certaines choses, certains équipements. Mais aussi, je compte aller faire aussi des petites séances de spa qui sont en général dans les piscines, mais autre part aussi. Et ça ira dans le sport, puisque je ne savais pas où mettre ce genre de petit loisir. Voilà. Maintenant, par ici, les événements. Je croyais l'avoir mis, mais... Si, je croyais... Oui, j'ai déjà mis événements. L'esthéticienne. Voilà. L'esthéticienne, j'y vais de moins en moins pour tout ce qui est poils. Donc, je me dis que financièrement, si je peux, je vais garder le même montant et je vais aller deux ou trois fois dans l'année, quatre fois, ça dépendra, pour des soins, faire des massages, ce genre de choses-là, ça me détend et c'est très agréable. Donc, voilà. Si j'en ai d'autres, j'en mettrai d'autres. Par la suite, après avoir fait ma checklist, je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Je mets ici mon exemple. Pareil, santé. Mon enveloppe santé, je mettais 200 euros dans cette enveloppe-là. Je vais essayer de laisser 200, pas plus, je verrai. Puisque en général, je fais quand même de l'ostéo tous les ans. Une fois, deux fois, voire trois ou quatre fois dans l'année. Donc là, si je fais quatre fois d'ostéo dans l'année, c'est mangé, malheureusement. C'est juste de l'argent que j'avance, puisque ma mutuelle m'en rembourse 3 à hauteur de 50 euros, je crois, par an. Je peux vous donner un autre exemple. La voiture. La voiture, je mettais 1000 euros par an. Je vais essayer de laisser 1000 cette année, même si je m'aperçois qu'en mettant 1000, eh bien, il ne faut pas avoir une très grosse facture, puisqu'après, je serai embêtée. Voyez, c'est ce genre de choses-là. Donc, comme j'ai augmenté mon nombre d'enveloppes, je ne peux pas augmenter mes montants à chaque fois de trop. Donc, je vais laisser 1000 euros. Et une fois que tous mes totaux sont faits, j'ai plus qu'à diviser par 12. Et après, ça me donnera le montant qu'il faut que je mette pour chacun tous les mois. Excepté pour les petits montants, comme là, petit montant de 200 euros par rapport aux 1000, eh bien, ça partira, ça se remplira plus vite. Et comme ça, après, je pourrai remplir plus vite mes autres grosses enveloppes, comme il s'est passé pour cette année. J'ai pu remplir plus vite mes enveloppes. Et là, il y a certaines enveloppes que je vais pouvoir continuer pour l'année prochaine. Par exemple, si mes 200 euros sont faits pour la santé, soit je barre et automatiquement elles vont aller se répercuter le montant alloué par mois dans les autres enveloppes, soit je commence une enveloppe santé pour
2025, puisque mon objectif, c'est d'avoir des épargnes, mes enveloppes épargne, une année d'avance, comme je vous avais dit. Donc, du coup, là, j'ai pu en faire certaines en 2023 pour 2024. C'est pour ça que là, je n'ai pas tout préparé. Certaines enveloppes sont bien commencées, donc je suis contente. Malheureusement, il a fallu que je pioche dans certaines enveloppes pour pouvoir payer mes artisans pour la maison. Ce qui n'est absolument pas du tout le but, mais là, je n'ai pas eu le choix vu les gros montants que j'avais. Je n'ai pas eu le choix. Donc voilà, ça c'est pour mes épargnes, comment je fonctionne. Je liste, je mets mes montants. Si je m'aperçois que par mois, c'est impossible à tenir, eh bien, j'enlève celles qui ne sont pas nécessaires dans un premier temps. Comme là, le jardin, la maison, les week-ends, vous voyez, c'est ces trois enveloppes-là qui sauteront en priorité. Après, ce sera les promos, les soldes, les vacances. Les vacances, d'ailleurs, ça, c'est vraiment. Je vous dis, cette enveloppe-là est à part puisque c'est une enveloppe qui, certainement, je ne l'utiliserai pas puisque il y a grande chance que je ne parte pas en vacances cette année. Voilà, dans un premier temps, je liste. Après, je mets par an ici et par mois les montants. Voilà. Ah, zut. Par an et par mois, ce qu'il faut que je mette dans chaque enveloppe. Et puis, après, si ça passe dans mon budget du mois, tant mieux. Si ça passe pas, eh bien, il y a des enveloppes qui sautent, soit définitivement pour l'année, soit comme les vacances, soit temporairement pour chaque mois. Ce sera différent. Comme là, jardin, maison, week-end. Et par an. Par mois, ça me fera quelques euros de sauvés. Voilà, tout simplement. Vous dites-moi comment vous réussissez à vous en sortir, à préparer vos épargnes. Si vous n'avez pas trop d'enveloppes, comme là, moi, cette année, je trouve que j'ai beaucoup d'enveloppes. On verra pour l'année prochaine si je peux en diminuer certaines. Et dites-moi si vous avez les mêmes que les miennes. Forcément, vous en avez forcément. Certaines comme anniversaire ou Noël, mais si vous vous en rajoutez d'autres et pourquoi. Voilà, je vous dis à une prochaine fois et puis amusez-vous bien à faire ces enveloppes. Au revoir tout le monde!